Om Shanti. ओम शांति। आज का वरदान है कि La bénédiction d'aujourd'hui est la suivante. श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा Puissiez-vous être des âmes श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा constamment puissantes शुद्ध qui वायुमंडल purifient के द्वारा l'atmosphère शुद्ध वायुमंडल के grâce à द्वारा leur attitude élevée. सदा शक्तिशाली आत्मा Grâce à leur attitude élevée. जो सदा अपनी श्रेष्ठ Ceux qui restent constamment stables dans leur attitude élevée ne peuvent être ébranlés par aucune atmosphère ou vibration. Ne peuvent être ébranlés par aucune atmosphère ou vibration. C'est votre attitude qui crée l'atmosphère. Si l'attitude est élevée, l'atmosphère sera pure. Si votre attitude est élevée, l'atmosphère sera pure. Certains disent, que puis-je faire? Telle était l'atmosphère et à cause de cela, j'ai changé d'attitude. कई वर्णन करते हैं क्या करें Certains वायुमंडल disent, que puis-je faire? Telle était l'atmosphère et à cause de cela, j'ai changé d'attitude. À ce moment-là, au lieu d'être des âmes puissantes, vous êtes faibles. Par conséquent, plutôt à ce moment-là, au lieu d'être des âmes puissantes, vous êtes des âmes faibles. Par conséquent, rendez puissante votre attitude grâce à la conscience de votre promesse et vous deviendrez puissant. Par conséquent, rendez puissante votre attitude et grâce à la conscience de votre promesse et vous deviendrez puissant. Et la devise, être une incarnation de vertu et faire de chacun une incarnation de vertu, c'est un grand honneur. Être une incarnation de vertu et faire de chacun une incarnation de vertu,
c'est être un grand donneur. Si on voit que quelqu'un a un manque de vertu, on lui dit, sois doux, sois un peu plus patient. Tu dois être plus sérieux ou mature, mais nous-mêmes, on doit en être un exemple. Si quelqu'un a de l'impatience, si on devient aussi impatient, comment pouvons-nous? On ne peut dire tout le monde était en train de devenir impatient. Donc, l'atmosphère était de l'impatience. Donc, Papa dit, ça doit pas être le cas. Si on donne les vertus, on doit nous-mêmes avoir la vertu. Et Dadi Prakash Mani donnait des exemples de Brahma Papa. Quand il y avait des situations de ce genre, il voyait Baba sans peur. Et il disait, nous avons tous ce pouvoir en nous, puisque Baba vient, même s'il y a toutes sortes de situations qui se passent, on demeure sans peur. Et il n'y avait aucun effet sur Brahma Baba, donc on en avait l'exemple. Quel genre d'attitude doit-on avoir? Si on part de la conscience de l'âme ou être dans la conscience de la fraternité, de cette manière, on transforme notre attitude. L'attitude est très subtile. C'est tout comme lorsqu'on dit « je vais aller au-delà de mon esprit » et qu'on s'il y a un peu de « je » ou de « à moi », l'attitude est présente. Donc, toutes ces attitudes peuvent être très subtiles. Donc, l'esprit peut devenir espiègle et ainsi les vertus ne sont pas là. On a tous ce genre d'expérience. On ne doit pas avoir de colère parce que l'atmosphère deviendra colérique. Alors, cela veut dire que d'une certaine manière, on a brisé notre promesse. Papa a dit une chose si belle, l'atmosphère ne doit pas m'affecter. Et mon niveau doit avoir un effet et c'est mon niveau qui doit purifier l'atmosphère pour que les autres aussi puissent en profiter. Que ce soit de l'avidité ou de la colère, toutes sortes d'atmosphères, elles doivent devenir pures. Non seulement je dois dire que l'effet ne doit pas y avoir d'effet sur moi, l'atmosphère doit être telle qu'elle influence les autres. C'est cela que Baba nous a donné à tous comme bénédiction. Et partout, s'il y a une situation, on doit d'abord se stabiliser dans une attitude pure. Ainsi, l'environnement et l'atmosphère deviendra elle aussi très pure. Et c'est une très belle pratique. Et c'est à cela que j'ai pensé aujourd'hui, dit Moini. Ne pas expérimenter, on doit d'abord pratiquer et ensuite on doit expérimenter ce que l'on pratique, cette pratique que l'on a mise en place. Si on ne fait que cela en rappeler comme d'un point, mais qu'on ne le pratique pas, qu'on ne l'expérimente pas, qu'on ne le laisse pas, parce qu'on a toutes sortes d'excuses. Mais Papa dit que c'est le temps. Ce n'est plus le temps de la négativité ou de la force ou de la violence.
parce que la violence et les vices vont augmenter et on doit... Et tout ce qui arrive, et peu importe l'atmosphère, grâce à mon niveau élevé, mon attitude élevée, non seulement je dois y faire face, mais je ne dois pas être affectée et je dois me stabiliser dans un niveau puissant pour que les autres puissent en profiter. Et c'est très important que les autres, et c'est un point très important, et c'est quelque chose que l'on doit essayer et expérimenter. Et si on le pratique plusieurs fois, quand c'est nécessaire, on l'expérimente dans notre attitude et quand on en a besoin, on peut le faire. Et cela nous fait du bien à nous aussi. Et cela transforme l'atmosphère en Shanti.